Aw, animals. Deux lions libérés des cirques d'Amérique du Sud, transférés vers un sanctuaire d'animaux en Afrique du Sud, ont été décapités la semaine dernière par des braconniers. En mai 2016, les lions ont été envoyés au sanctuaire de Big Cat des Moyas, afin de vivre le reste de leur existence en paix. Les lions, José et Liso, étaient parmi les 33 sauvés des cirques du Pérou et de Colombie. Bien que le sanctuaire dispose de mesures de sécurité 24 heures sur 24, les braconniers ont réussi à pénétrer sur les lieux la nuit. Une fois que les braconniers étaient entrés, les animaux ont été abattus. Leurs têtes et leurs pattes ont été coupées, et le reste de leur corps ensanglanté sont laissés derrière eux. Certains conservateurs croient que leurs parties du corps sont utilisées pour faire des potions et des charmes à vendre sur le marché de sorcellerie du pays. Avec les tigres asiatiques qui disparaissent en raison du braconnage, les os de lions africains sont maintenant substitués davantage par des lotions et des médicaments thérapeutiques traditionnels, selon The Telegraph. Il n'y a aucune preuve que ces méthodes possèdent réellement des propriétés curatives pour les humains.